1er janvier 1830. Mon époux se montre taciturne, renfermé avec nos amis du village, dur avec les enfants. Je ne sais que faire. J'explore les horizons pour voir ce qu'il y a. 20 janvier 1830. Je suis cloîtré à la maison, avec interdiction de sortir. Aujourd'hui, je me suis fâchée. J'ai crié contre lui. Je ne voulais plus de cette vie. Il m'a frappée. Il m'a menacé d'autres coups si je recommençais. Il est parti se calmer dans de cet enfer. Aujourd'hui, il a interdit aux enfants d'aller à l'école. Je ne sais comment protéger les enfants de ses colères. Ils refusent de sortir de la maison. Ils nous surveillent le fusil à la main. Cette situation ne peut plus durer. Il a mis la maison sans dessus-dessous dans sa colère. 17 mars 1830. Il s'est tapi dans la cave dès les premières chaleurs. Il ne supporte plus le soleil. Nous n'avons presque plus le droit de sortir. Un monstre, oui. Il est monstrueux. Et même son visage se transforme sous l'action de sa méchanceté. Sa pilosité se développe et il ne coupe plus ses ongles. Il est crasseux. Oui. Crasseux et monstrueux. Il refuse que j'écrive à nouveau. Je dois me cacher. Je n'en peux plus. Les enfants pleurent. Ils ont peur. Ils ont faim. J'ai peur. 29 avril 1830. Il va nous tuer. Il veut nous tuer. Il l'a hurlé. Je dois partir avec les enfants. Mais comment fuir? Où aller? 3 mai 1830. Demain, je pars. 7 mai 1830. Mon petit dernier a disparu depuis le 4 mai. Dans cette prison noire flotte une odeur pestilentielle. Mon époux est muet devant toutes mes questions. 30 mai 1830. J'ai réussi à sortir avec ma fille. Nous partons. Charles ? Charles ?